et c'est Alex Vizorek. Nickel. Monsieur Colucci. Monsieur Vizorek. J'entends bien que vous pourriez en avoir marre qu'on vous parle de votre père, mais je m'en fous complètement. Parce que moi, figurez-vous, je suis belge. Et vous voyez très bien où je veux en venir. Il s'est payé notre tête, papa, pendant de nombreuses années. Ça fait quand même 40 ans qu'on passe pour une belle bande de demeurés, à cause de qui le clown en salopette. Alors désolé, mais vous allez prendre pour tout l'arbre généalogique. Oui, monsieur, vous héritez de ça aussi, la frustration de tout un peuple. Tout un peuple qui sait très bien que si vous, les Français, vous écrivez pas de Calais, c'est pour nous piéger et qu'en fait, qu'en continuant, on a une chance de tomber sur Calais. En revanche, j'ai essayé avec Palavas et je n'ai jamais trouvé Lavas. C'est donc moi qui aujourd'hui représente toute une nation meurtrie. On a choisi au hasard, on a tiré à la courte frite et c'est tombé sur moi. Parlant d'héritage, j'espère que ça vous pose pas trop de problèmes de conscience d'avoir hérité d'un type qui a fait une partie de sa fortune en faisant passer tout un peuple pour des débiles profonds. Surtout que vous êtes même pas venu vous le mettre chez nous, votre argent. Donc voilà, je suis complètement déçu. Et ne me dites pas, moi j'y suis pour rien, le devoir de mémoire, monsieur. Dites-vous que le fils de Michel Leeb tirera encore de nombreuses années sa discorde avec tout le continent africain. Mais c'est pas le débat. Coluche s'est foutu de nous, alors qu'on était même pas noirs. J'ai donc une lettre solennelle cacheté du sceau de Léopold qui vous est adressé. Ah. Lettre du peuple belge, opprimé de la gaudriole française de mauvais goût par Monsieur Colucci, au nom du roi, d'Annie Cordy et de Manneken Pis. Nous vous demandons par cette missive de reconnaître clairement que lorsque votre père faisait allusion à la bêtise des Belges, il faisait référence uniquement aux Flamands. De plus, nous vous demandons... Non, je vais avoir des problèmes avec les Flamands. Oui, mais ils ne vous comprendront pas. Nous vous demandons d'admettre une bonne fois pour toutes que pour battre le record du monde du 100 mètres, nous ne courons pas 102 mètres. Même si c'est vrai que nous avons le record du monde du 102 mètres, puisqu'on est les seuls à courir cette distance. Vous constatez aussi que dans les biberons des enfants, on ne met pas des frites. C'est ridicule, puisque rien ne coulerait, il faut d'abord les passer au mixeur. Et enfin, vous avouerez une bonne fois pour toutes que cette histoire du Belge qui se serait blessé en se mettant de l'eau de toilette, soi-disant parce que le couvercle lui serait tombé dessus, est complètement inventée. C'est stupide et dégradant. Aucun Belge n'irait jamais se servir d'eau de toilette dans une cuvette, alors que c'est tellement plus simple de la prendre à l'urinoir. Je vous demande de signer en âme et conscience, vous, excusez-moi, le représentant officiel de cette colonisation intellectuelle. Excusez mon émotion, j'ai l'impression d'être le Martin Luther King du plat pays. De bien vouloir nous rendre notre indépendance humoristique. Amen. Voilà. Léopold, il dit amen à la fin de ses allocutions. C'est pour se mettre tout le monde dans la poche. Voilà, j'espère que vous signerez tout ça. Je voulais juste vous dire qu'en 85, mon père était au Cirque Royal de Bruxelles pour voir le vôtre. Et pour les rappels, votre père a dit « Je ne sais pas si j'ose, mais j'ai une petite blague belge ». Et en fait, c'était faux, il en avait plus qu'une. Il a fait 25 minutes de blague belge. Et mon père m'en a parlé avec des larmes aux yeux en me disant que la salle était écroulée de rire et que c'était son plus grand moment de spectacle d'humour. Et pourtant, il a vu deux fois le mien. Alors, au nom de la génération suivante, je voudrais vous remercier. Et bravo, c'était Alex Vizorek.